Bonjour, c'est Grifox. On se retrouve pour un combat de Coliseum. Je vous ai dit hier que j'avais changé un petit peu mes stuff, mes mods sur Lenny et Lugie, mais j'ai pas précisé que Lenny était repassé full intel, hein, et j'ai choisi de le remettre tout simplement avec beaucoup plus de soins. Je trouvais ça plus intéressant. Je pensais à la base que comme j'avais beaucoup de PA avec un double don de PA, ce serait intéressant d'avoir deux éléments, mais concrètement, ça me faisait un stuff vraiment qui était pas suffisant au niveau des dégâts, on va dire. Donc j'ai préféré repartir là-dessus, et bah, je pense que c'est mieux quand même. Full intel, j'en suis plutôt satisfait. Bon, le stuff, il va encore être amené à changer un petit peu, mais globalement, ça devrait le faire. Alors là, on a le SRAM qui s'est tout de suite exposé. Bah, je vais venir l'éroder sans plus attendre, sachant qu'en face, on a SRAM, Eni, Feka. Là, il faut vraiment tout jouer à l'érosion, sinon je pourrais jamais rien faire. Le SRAM est plutôt fragile, bon, il va pouvoir partir sur de l'invisibilité assez vite. Mais l'érosion devrait assez vite pouvoir être placée. Alors là, en revanche, j'ai pas beaucoup d'esquive PA, malheureusement, c'est très très faible. Et en face, il y a un Feka, j'aurais dû en mettre plus, pas très malin là pour le coup. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Avec le Xel, je vais pouvoir. Je vais aller chercher sortir un petit peu tout le monde de la zone là. C'est concrètement, ça va être compliqué sinon. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus? C'est pas facile tout ça. Bon, déjà, première chose à noter, je peux placer un contre. Contre qui fera très certainement l'affaire, enfin qui sera certainement efficace. Lenny, je vais le sortir parce que là il se fait tacler. Hop. Et je vais placer un petit Doppel, tiens. Doppel Xel, comme le combat, à mon avis, là va être parti pour durer un petit peu. Placer un Doppel, ça me paraît judicieux parce que un Doppel qui reste en vie assez longtemps pendant le combat, il a le temps de faire pas mal de choses et l'air de rien, si on cumule sur tous les tours, il place beaucoup de dégâts. En plus de ça, le Doppel Xel, il peut mettre du retrait PA, donc c'est très intéressant. Bon, en face, ça joue très agressif, ça rush mon ennemi. Mon ennemi qui n'a déjà plus de PA, malheureusement. C'est pas évident ça. C'est pas évident. Est-ce que je me débuffe tout de suite le contre? Oui, je débuffe le compte, mais c'est surtout pour le fourvoiement. Non, je vais attendre un tour de plus pour le faire. Pour l'instant, je vais simplement venir booster mon Ugina en PA, et moi je vais essayer de me mettre autant que possible à distance. Parce que j'ai déjà pris beaucoup beaucoup de dégâts là, je me suis pris un focus assez sévère. C'est très agressif en face, hein. Pourtant, ils ont une compo qui est plutôt basée sur de la durée, on va dire, un combat qui serait assez long, et pourtant, ils sont partis sur beaucoup d'agressivité, bon, ça a l'air vraiment efficace. Le SRAM qui me mérole le Jinak, là, il se prend le contre à fond. Hein. Il se prend le contre à fond, il m'a placé qu'un seul coup d'héros, bah, je pense qu'il a vu qu'il se prenait des dégâts avec le contre. Il se met invisible, seulement moi j'ai le flair, donc je vais pouvoir le trouver. Et on va enchaîner sur des dégâts. Alors, est-ce qu'il reste dans le glyphe au moins? Zéro, ok, il a bougé. Il est plus dans le glyphe. Hop! Ok, il est là. Surprenant. Surprenant. Ici. Ça vaudrait presque la peine que je fasse une libé. Il est érodé. Oh, non, je vais plutôt taper tout simplement. Hop là. Comme ça. Voilà, donc là il prend beaucoup de dégâts, hein, le pauvre, plus de 1700 points de vie déjà. Je vais venir bloquer moi Lenny Ripsa. Hop, voilà Lenny qui va avoir du mal à bouger. Le Feka qui se retrouve un petit peu loin là concrètement. J'ai dit qu'il était ici, hein, faut pas que j'oublie la case. Ici, le petit SRAM. Ah, il y a des bugs d'affichage avec les. Enfin, je sais pas si c'est un bug ça ou juste qu'on peut pas voir le sort, mais dans la mesure où c'est moi qui l'ai lancé, il devrait quand même me montrer la cellule. Bon, c'est pas bien grave. Qu'est-ce qu'il fait? Frisson, ok, il va peut-être me placer un tout petit peu de retrait PA, voilà, bon, un tout petit peu quand même, moins 3. Il a l'air d'avoir un sacré retrait le Feka. Beaucoup de tacles également, donc on a un mode assez classique là, Feka tacle. Tacle retrait qui joue avec des glyphes. Heureusement j'ai réussi à me sortir de ces glyphes assez vite. Et bah là il m'embête pas du tout en fait concrètement avec son. Il est plus. Le SRAM n'est plus invulnérable. Ok, donc logiquement. Qu'est-ce qui est le mieux à faire là? Je vais placer un cadran ici. Et une momie. Ok, ça m'embête de rien faire de plus que ça. Mais ça va en fait me permettre d'empêcher à Lenny de soigner le SRAM.
Comme ça lui casse la ligne de vue et il peut rien repousser, là il est bloqué par l'ogis. Bon là donc tour pas incroyable sur le Xelor, hein, mais je pense que ça va bien embêter l'Eli, et là le SRAM il est en difficulté, hein, il a plus aucune protection. Le Fekka n'a pas placé de rempart. Ok donc il lâche un mot d'envol pour pouvoir le soigner, donc ça lui mange énormément de PA, ça lui pète son lapin. Et il lui enlève l'érosion. Ok donc là il est plus érodé, ça m'embête un petit peu parce que j'aurais bien voulu pouvoir le taper moi. Et donc il vient placer du soin dessus, mais jusque-là c'est à peu près gérable. Hein. Moi je vais pouvoir me debuff l'héros sur l'Annie tranquillement. Hop. Et éventuellement venir le taper. Moi je vais quand même stimuler mon Xelor, bien sûr. Et on est parti. Alors il est là, hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est bien ça. Hop. Et bien c'est plutôt correct. Petit dégât sympathique, il est à 1300 points de vie là. Est-ce qu'on va réussir à le tomber assez rapidement? Ce serait bien, ce serait bien que ça dure pas trop longtemps. Ah, j'aurais pu faire un mot de silence pour le révéler, ça c'était pas malin. C'était même très débile en fait, parce que je vais le perdre de vue et je vais pas pouvoir le retrouver malheureusement. Ouais, c'était pas top, sauf s'il choisit de me replacer de l'érosion. Ok, il préfère y aller plutôt sur des pièges, peut-être ouais, des poisons, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, il a l'air de partir sur a priori un genre de réseau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je vais pouvoir aller chercher Lenny de mon côté. Ok, il nous a mis pas mal de dégâts là. Ah, je sais ce que je peux essayer de le trouver. Ok, il est pas dans le. Oh, ça va être compliqué de le trouver là quand même. Mais avec le roquet, je pourrais presque. Ouais, je vais en mettre un. Je vais en mettre un. Et surtout, je vais à nouveau venir bloquer Lenny. Pour pas qu'il puisse se barrer. On va y aller là-dessus, hein. Hop. Voilà, donc là je pense que le roquet il va me montrer en fait où il est le SRAM. Normalement. Ah non, il s'est fait attirer par le glyphe. Ok, bon, a priori il est par là en tout cas. Il a préféré y aller sur le Fekka, d'accord. Mais là je suis quasi sûr de le trouver avec un mot de silence de la part de Danny. J'aurais éventuellement pu faire aussi un rembobinage avec le Xelor, ce qui m'aurait assuré qu'il revienne à sa position, et ainsi je l'aurais pas perdu de vue. Bon, c'est pas grave. Là, Lenny a pris beaucoup de dégâts également, et je vais pouvoir le légumiser complètement. Ça peut être intéressant aussi. Le mien n'est plus érodé, donc à la limite, il peut me taper, je m'en fous, je suis feu, je vais pouvoir me soigner. Ouais, je pense que je vais faire ça, légumisation de son Lenny. Ça me paraît pas mal, là. Et là, il va avoir du mal à s'en remettre, hein, le pauvre. On est parti là-dessus, hop. Il lui reste 6 PA. Ouais, on va partir là-dessus. Hop, une horloge. Allez. Moins 3 PA. Il a plus que 3. Il va pas aller loin, le pauvre. Et qu'est-ce que je vais me faire, moi? Je vais lui mettre une petite fuite. Ça pourra éventuellement servir. Bon, c'est jamais incroyable quand c'est pas vraiment calculé, mais c'est pas bien grave. Ok, le Fekka qui continue à prendre des dégâts, il a toujours pas pu placer son rempart. Je pense qu'il a joué un peu trop agressif et du coup il a pas du tout eu le temps de poser son jeu. Et là au final il a un sort très puissant du Fekka qu'il aura même pas exploité. Et Lenny qui peut rien faire de plus que de se débuff un tout petit peu d'érosion. Alors moi avec le SRAM il faut pas que je me loupe. Techniquement si je fais un mot de silence ici je devrais le trouver. Allez hop, on y croit. Ok, je me suis loupé, c'est pas grave. C'est pas bien grave, je vais pouvoir de toute façon me soigner. Comme ça, hop. Est-ce que j'en mettrais pas un deuxième? Allez, hop. Et je vais fuir avec mon ennemi. Je pensais trouver l'Osram, là, je suis un tout petit peu surpris. Ouais, non, il doit être vraiment peut-être dans un. Ok, il est. Oh, je pense. Bug d'affichage de la zone avec les PM. Bon, ça, de toute façon, il faut pas vraiment se fier à la zone. Il vaut mieux compter soi-même les PM du SRAM. J'ai eu un petit peu eu la flemme de faire ça. Il tape très fort là, ça m'embête hein, ce qu'il me met. Mais moi je vais presque pouvoir le terminer concrètement. À moins que je reste sur Lenny, mais. Non, je vais y aller sur le SRAM. Hein. Hop. Et on va partir sur des dégâts à fond. Il faut que je lui remette l'héros. Et là, bah, je le tue. J'ai vraiment pas l'habitude en fait d'avoir autant de dégâts sur mon Uginak. Et bah ouais, du coup, en fait, je le tue là. Hein. Je vais même me booster mes carcasses comme ça. Et on va repartir avec un focus sur Lenny. Je vais me mettre ici pour pas bloquer mon passage. Et voilà, j'ai réussi à tomber le SRAM. C'est vrai que là, je tape extrêmement fort. Hein. Charogne qui sont à peu près à passer à 500 sur 27% de res avec 10 res fixes. C'est vraiment appréciable.
J'ai pas du tout l'habitude, hein, voilà, d'avoir des persos qui rocks, mais c'est vrai que c'est agréable. Du coup, on va y aller sur les nids. Je vais encore le râle à fond, je pense, parce que mon Xel, au final, il tape pas beaucoup, mais il râle bien. Comme ça va l'empêcher de se soigner. C'est aussi une manière, au final, de le mettre en difficulté au niveau de ses points de vie. Ok, je peux faire ça. Non. Bon. J'avais un truc stylé à faire, mais j'aurais encore pas eu le temps de le faire, donc je préfère ne pas prendre de risques et faire un truc. Je voulais faire une TP en fait sur le J pour échanger passe avec le FK et venir lui remettre le rayon obscur par là, ce qui m'aurait juste. Ce qui m'aurait fait gagner un peu de PA et tout. Puis ça aurait pu faire des moves un peu plus sympathiques, bon c'est pas grave. À partir de ce moment, l'adversaire a tout simplement AFK, je pense qu'il a pas trop apprécié de perdre son SRAM. Je vais pas vous infliger la fin de la vidéo à regarder des gens passer leur tour, donc je vous la mets en accéléré. On se quitte donc là-dessus, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.